dire que je dis, c'est que je veux dire avec cette montre, je veux dire à chaque femme de découvrir son talent personnel, d'exprimer sa personnalité, d'exprimer tout ce qu'elle peut être, et finalement, la plupart du temps, la montre que je crée pour une femme exprime son âme. C'est peut-être ce qu'il y a de plus important pour elle, pour les autres qui vivent avec elle. Le déclic, ça a été lorsque ma fille m'a dit « Maman, tu as un rêve depuis longtemps, tu travailles sur ce rêve, mais tu ne te lances pas. Tu te retiens toi-même parce que tu penses à la famille, tu penses à toutes les autres choses, mais tu ne fais pas ce que tu as envie de faire. Alors, vas-y, pour que moi je puisse faire tout ce que j'ai envie de faire, il faut que toi tu le fasses. » Et puis c'est vrai que les femmes se mettent toujours, enfin très souvent, des barrières à cause de la famille, alors qu'en fait, on ne leur demande pas. Mais c'est simplement nous qui n'avons pas, qui ne nous donnons pas la permission. En créant cette montre, la montre de Lance, je voulais créer une montre pour toutes les femmes qui symbolise la féminité, mais qui donne aux femmes le sentiment d'appartenance, mais aussi une montre qui symbolise l'unicité de chaque femme. Chaque femme est unique. Et c'est pour la raison pour laquelle j'ai développé ce concept de personnalisation. De Lance, c'est toute une histoire. Si j'ai créé cette montre pour ma mère, pour ma fille et puis pour toutes mes sœurs, il y a quelque chose qui est très très important pour moi aussi, c'est mon père. Et toutes les femmes ont des histoires avec leur père. Mon père est décédé quand j'avais 8 ans et il était sur le point de créer son entreprise horlogère avec comme nom de Lance. Et quand il s'est agi de trouver un nom pour ma marque, eh ben c'est tout naturellement que j'ai choisi le nom de mon père, mon nom de jeune fille, de Lance. Voilà. Et comme ça, maintenant, vous pouvez voir, surligner avec lui par cette création que lui n'a pas eu le temps de faire, mais moi, j'ai fait quelque chose de tout différent de ce qu'il avait envie de faire.